que Mélenchon, il pourrait arriver au second tour. Et nous, on pense que c'est une différence significative, une différence très importante, s'il est second tour, par rapport à une situation où il n'y serait pas. Et donc, on invite les travailleurs et les travailleuses, en effet, à se saisir du bulletin Mélenchon, même quand on est en désaccord, alors soit sur des éléments de son programme, soit avec sa personne, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur ces questions-là, en disant « oui, mais quel est le choix qu'on a aujourd'hui ?» On n'est pas maître du jeu, malheureusement. La Ve République, ça fait 60 ans qu'elle existe et qu'elle empêche le débat politique. On n'est pas maître du jeu, et donc dans cette situation, malheureusement, ben oui, on n'a pas beaucoup de choix. On est obligé d'essayer de faire gagner celui qui, par rapport à nos ennemis jurés, Macron, Le Pen, etc., présente un programme qui est un programme avec beaucoup de mesures progressistes, hein, même si, encore une fois, je ne pense pas qu'il suffise d'élire Mélenchon pour qu'il soit mis en œuvre. C'est sûrement une discussion. C'est ça que vous parlez de soutien. Oui, je pense que c'est indéniable. Donc, enfin, on sait bien, en lisant le programme des uns et des autres, que le programme de Jean-Luc Mélenchon, ça n'a évidemment rien à voir avec le programme de Macron, de Le Pen, etc. Donc, évidemment que s'il était au second tour, ça représenterait pour des travailleurs et des travailleuses par millions un espoir de changement. Nous, ce que nous pensons, c'est que ce serait une occasion pour dynamiser les luttes, pour dynamiser les mobilisations. Quand les gens ont des espoirs politiques, ils ont beaucoup plus de chances de se mobiliser, ils se sentent plus motivés pour agir que quand ils n'en ont pas. Un duel Macron-Le Pen au second tour, je pense que malheureusement, ça pèserait non seulement sur le résultat de l'élection, avec dans les deux cas des programmes absolument terribles, mais ça pèserait aussi sur l'immédiate après élection, puisque les gens seraient groggy pendant plusieurs mois avant de repartir sur le chemin des luttes, toujours défensivement, parce que des contre-réformes seraient annoncées. Alors que si Mélenchon est au second tour, je pense que ça ouvre des perspectives politiques. En même temps, s'il est au second tour et s'il gagne, nous ne pensons pas qu'il puisse mettre en œuvre son programme comme il le prétend, en disant « voilà, je vais signer un décret ». On va en parler justement. Okay.